reste. Bangura. Avec Augustin Williams. Et le centre en première intention, c'est plutôt bien fait. Et oui, le point de pénalty est désigné par Monsieur Guirat. C'était ma première impression à l'œil nu. Il y a bel et bien une main de Khaled Adnan qui, sans doute, va... que Boundou, hein, me semble-t-il, disputait ce ballon de la tête. Ouais, il y a cette main, alors... Adnan pourra dire oui qu'il a été bousculé dans les airs. Ça n'a pas été l'interprétation pour Sierra Leone d'ouvrir le score. Avec la transformation de Kay Camara. On parlait de Kay Camara, l'un des joueurs les plus expérimentés dans cet effectif Sierra Leone. C'est lui qui a pris ses responsabilités pour transformer ses lignes distinctes. Ou avec le coup de tête de Steve Mounier qui est arrivé lancé, c'est clairement lui hein, le danger du côté des écureuils. Steve Mounier notamment dans le domaine aérien où il règne en maître. Regardez légèrement trop court hein, dans la surface de réparation dans sa main et très habile pour les joueurs béninois vraiment d'être déterminés à tourner autour de Steve Mounier qui remporte la plupart de ses duels aériens. C'était encore le cas il y a quelques instants. Bon. Avec Soukou. Une frappe contrée de Jiman Koukou. Lorsqu'ils vont vouloir se projeter, être davantage haut sur le terrain, ils resteront à la merci des contre-attaques et de la vitesse d'Augustin Williams, mais également attention à la vitesse de Jodel Dossou qui s'illustre. Retourner ce ballon et d'arriver à la pause avec cet avantage du côté des Leone Stars. Deotti avec un déséquilibre et une possibilité pour les Béninois avec Jodel Dossou. Dossou qui rentre sur son pied droit, c'est contré. Nouvelle chance et contré par son partenaire. Par